On se retrouve une fois encore aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et le thème d'aujourd'hui c'est l'amour de soi. C'est un thème que je fais souvent aussi dans le développement personnel et j'ai eu le goût d'en parler aujourd'hui pour les entrepreneurs de demain que vous êtes parce que je me dis si je ne m'aime pas, comment aimer ce que je fais? Donc, l'amour de soi c'est la capacité à accueillir sans jugement l'être que je suis tant intérieurement qu'extérieurement. Donc, apprendre à s'aimer, c'est s'accueillir autant dans mes limites qu'au travers de mes forces. C'est juste apprécier la personne que je suis. Comment reconnaître que je manque d'amour de moi-même? Si je m'exprime, si j'exprime de la peur, de déplaire et de la soumission, je manque d'amour de moi-même. Si je ressens le manque, s'il y a le manque de respect de moi-même et l'incapacité de dire non et de prendre ma place quand il le faut, je manque d'amour de moi-même. Si je ressens des sentiments de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, cela fait mal, mais je dois savoir qu'il y a quelque chose en moi que je dois transformer. Je dois savoir qu'il me manque de l'amour de moi-même. Il y a d'autres points aussi qui peuvent me dire si j'ai le manque d'amour de moi-même. Retrouvez plus en détail dans l'article que je vais développer sur le thème sur mon blog universdesabine.com. Pour m'aimer davantage, qu'est-ce qu'il faut? Il est essentiel que je me respecte. Il est essentiel de penser à moi au quotidien. Et n'apparentez pas, cela n'a rien à voir avec l'égoïste parce que l'égoïste, lui, il pense qu'à lui-même. Ce qu'on me demande, c'est bien qu'en pensant aux autres, que je sois capable de penser à moi-même et cela au quotidien. Parce qu'on entend beaucoup qui disent, j'ai tellement donné, je suis toujours là pour eux, mais en retour, personne n'est là pour moi. Non, tu es là pour toi-même, il faut que tu penses à toi d'abord au quotidien, puis pense aussi aux autres. Être fier de moi-même, être fier de ce que je fais, être fier de ce que je suis, être fier de ce que j'accomplis. Choisir d'être heureux ou heureuse et agir pour l'être pleinement. Donner le meilleur de moi-même autant que j'ai l'occasion et éviter de ressasser mes souffrances et de vivre seule avec. Parce qu'il ne sert à rien, j'ai des gens autour de moi qui peuvent m'aider, je dois être capable de m'en défaire à des moments donnés. Tout le monde a des souffrances dans la vie. Tout le monde vit des moments difficiles, des périodes difficiles. Mais je ne dois pas les ressasser seule. Je ne dois pas rester avec, m'enfermer avec, non. Donc, il y a beaucoup d'autres points qui peuvent vous aider à développer davantage l'amour de vous-même. Retrouvez-les plus en détail aussi sur l'article qui sera publié sur le blog universdesabine.com. Donc, on comprend que se donner de l'amour découle de l'écoute de nos propres besoins. Donc, l'amour de soi se développe depuis aussi notre naissance à travers des relations stables et sans jugement. J'ai eu à accompagner comme ça une entrepreneur et arrivée dans ce stade de développement personnel, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle a perdu estime, confiance, tout et tout, et son amour propre, juste à cause des séparations, de nombreuses séparations qu'elle a vécues dans sa vie, tant dans sa vie d'affaires, tant dans sa vie amoureuse, pas qu'avec des parents. Donc, à chaque fois, elle se le reprochait. Donc, elle s'est accaparée tout le temps. Il a fallu lui montrer que les autres aussi leur partissent dans tout ce qui lui arrive et accepter cette histoire passée, de se relever et de développer son amour d'elle-même. Ou accompli de magnifiques choses. Aujourd'hui, elle est pleinement heureuse et je suis contente pour elle. C'est une base essentielle, l'amour de soi dans notre vie, qui nous permet de faire des projets, de penser qu'on est capable de les réaliser et d'aller jusqu'au bout. Donc, sans amour de moi-même,
je ne pourrai en donner aux autres, vous le savez très bien. Si je ne m'aime pas, comment aimer mon entourage? Si je ne m'aime pas, comment aimer mon enfant? Comment aimer mes proches? Comment aimer mon conjoint, ma conjointe? Il faut l'amour de moi-même d'abord. Et ça me permet aussi de développer de l'amour dans ce que je fais. D'où aujourd'hui j'ai eu envie de parler de ça avec vous parce que si j'ai l'amour de moi-même, je suis capable d'aller au bout de mon idée d'entreprise. Je vous ai déjà dit que mon idée reflète mon moi intérieur. Et si je m'aime, je vais aimer cette idée, je vais me battre pour concrétiser cette idée. Il est important de prendre soin de moi-même. Il est important de prendre soin de soi-même, de se réorienter quand il le faut, afin de pouvoir s'ouvrir aux autres et au monde. C'est ça. Et ça me rappelle tellement cette phrase de Jean-Jacques Rousseau que j'affectionne particulièrement, qui dit « L'amour propre, c'est l'amour de soi dans le regard des autres. L'amour propre, c'est l'amour de soi dans le regard des autres. » Et si on le vit bien, l'amour pour soi-même restaure notre bien-être, restaure le respect, restaure la sérénité, l'estime de soi, la confiance de soi. Et c'est une pleine et belle joie de vivre quand on a l'amour de soi. Donc, vous serez fort, vous serez des combattants devant les épreuves et vous serez confiant pour entreprendre. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui sur le thème l'amour de soi. Vous allez plus trouver des détails, le thème plus développé sur mon blog universdesabine.com ou sur la page Facebook Univers de Sabine. Et aussi, n'oubliez pas, liker, partager et laissez-moi des commentaires. Cela me fera grand, grand plaisir. Donc, moi, je vais vous dire simplement, il est l'heure de vous aimer. Merci et à la prochaine. Bye bye.